pour son match. Il a vraiment bien joué. Et donc je vois Rathalos qui se ramène. Rathalos, Akoumen ou Akoumen? Akoumen, bien évidemment. On joue sérieux là. Donc Rathalos, ouais, qui est sans doute le meilleur Akoumen de France. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer d'avoir son niveau de jeu avec le perso. Donc là, grosso modo, vous avez dans ce top 4 un des meilleurs, si c'était le meilleur joueur de France avec son perso. Comme quoi, il n'y a pas de surprise là. Dans les phases finales de BlazBlue, il n'y a que les tops qui sont là. Est-ce que vous allez button check, les gars? Ouais, d'accord, ça button check. Allez, ça se concerte. Pac-Man. Bon, ça button. Ça button check. Vous avez raison de jouer la sécurité, les gars, sur une finale. La grande finale. Il vaut mieux être sûr. Donc Skill, il vient de la loser bracket. Il va falloir qu'il reset cette bracket. Donc il remporte 4 matchs pour remporter le tournoi. Rathalos, il vient de la winner. Et il va avoir un MT2 pour lui. Allez, testez-moi ça rapidement. Et après, on est parti. Allez, c'est bon. On peut y aller. Cette fois-ci, ça joue sérieux. Ils savent si c'est en 2 ou 103 normalement. Ah, 103 ? Ouais, 103. Ah, messieurs, c'est en FT3, hein, la grande finale. On prévient à Skill. Rathalos, c'est en 3, hein, FT3. Hein. Ok. Non, pas de soucis. Ok, donc ça n'empêche pas qu'il va falloir que Skill reset la braquette s'il veut remporter ce tournoi. Mais c'est bien en FT3. Allez, premier match. Akoumen contre Ragna. Akoumen qui possède une très très bonne allonge, des dégâts assez énormes, vous allez le voir. Allez, l'overhead qui est passé déjà. Quelques boss de sunblock, il trouve l'ouverture, Skill. Et là, ça peut tout de suite faire très très mal. Dragon, avec la variation wall bounce, il réussit à relancer le combo Bélial. Ouh là 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 là, Elfang. Et il a déjà perdu un bon tir de barre, Rathalos. Rapide cancel sur le gauche parce que c'est pas safe. Allez, bien joué, le sombé là qui est en cross-up mais invisible. Tu peux jamais voir ça, le dragon. Variation wall bounce encore, mais il était trop loin du corner. Donc il n'a pas l'occasion. Rapide cancel, ça fonctionne évidemment. Il faut regarder l'avantage dans le rushdown. Oh, le dragon qui est passé là, cette fois-ci il y a bien wall bounce. Oh, dommage, la skill qui a loupé son combo, qui a sorti Nagasama pour Akoumen. Cette fois-ci il y a moyen de faire mal, dommage. Il était un petit peu en dehors de la zone de frappe. Rathalos lâche. Gauntlet Hades, il peut récupérer ça. Et premier round à la faveur de Skill. Là ça rigole pas du tout là. Ça joue très très concentré. Allez, overhead, ça passe bien. Là, des chopes vertes, bien fait. Allez, encore des chopes. Là, ça veut pas choper. Bien joué, utilisation des Nagatama pour mettre l'adversaire dans le corner. Et là, ça risque de faire très très mal à la part d'énergie. Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant, le Kizeme? Ouais, il préfère delay en Oki. Et Skill, on va bien jouer aussi ça. En derrière, c'est parti tout de suite pour garder l'avantage positionnel. Ouais, hop là, la déchoppe. Cette fois-ci, la chope qui passe. Meurt une nouvelle fois. Et Dragon. Ah, il va falloir revenir un petit peu, il est en retard. Allez, merci Skill. Combo médial. Avec la chope. La déchoppe qui passe pas. Allez, deux adversaires qui se connaissent très bien, hein, évidemment. Ils jouent souvent ensemble. Et là, il commence à avoir un peu mal à la barre d'énergie. Voilà, Skill. Voilà, on est à un partout. On est à un partout. Et belle domination de Rathalos là, avec son Akoumen qui avait très très bien géré ce match. C'est déjà serré, hein, dès le premier match. Allez, allez, il est parti à l'attaque. Avec le Gauntlet, ça passe pas. Les IB, bien joué, burst tout de suite. On va se prendre le combo de la WRD. Le combo arrive avec Bélial. On récupère son adversaire en l'air. Dragon, variation wall bounce. Oh, qu'ils aimaient. Ouais, dommage, je pensais qu'il allait mettre un cross-up. C'est le cas. Dragon, rapide cancelé direct. Le dead fight pour Rotjuggle. Bélial, il rechoppe avec Dragon.
Et là, il peut récupérer avec la chope. Voilà, attention à la tech. Ouais, chope violette, ça ne passe pas. Ouais, c'est tendu quand même là pour Rathalos. Pour l'instant, il trouve pas les opportunités sur ce round. Mais il y a l'edge. Et il y a moyen de terminer avec le carnage scissor. Le burst, ouais, il veut gagner le round. Et il y a l'edge, dommage. Bon, là, c'était obligatoire de burster. Hein. C'était le round final. Là, il est obligé de burster à Talos. Et donc, ça fait 1-0 pour Skill, qui est sur son chemin de croix en provenance des loser brackets. Il est bien parti, Skill, mais ça reste très très serré. On est reparti, même stage, même perso, évidemment, pas de counter pick là. On joue son perso principal. Et pour l'instant, c'est Rathalos qui trouve l'ouverture. Allez, rien au pied, mais ils sont en train de se regarder avec la barrière. Ça sentait le petit coup de delay. Mais on n'a pas osé taper. Allez, pour l'instant, ça se regarde. Ouais, tu peux la prendre. Allez, Rathalos qui trouve l'ouverture. Voilà, là ça commence à faire mal à la barre d'énergie de Skill, qui a pris quand même pas mal de dégâts. Variation et kick sur le dragon. Excusez-moi, l'overhead qui ne passe pas. Ça a été rapidement scellé ça par contre. Et boum, voilà, petit wallbang. Tranquillement, on récupère l'adversaire. Allez, Skill, il a de la difficulté là sur ce round. Il réussit pas à choper avec le premier hit du boss Metades, qui récupère Dragon, variation et kick. Voilà, ça se sentait à planer ça de toute façon. Ouh, bien joué. Voilà, il a eu la présence d'esprit de taper à Talos. Il aurait pu tellement manger un counter des familles. Et premier round pour Rathalos. Rathalos qui a l'opportunité d'égaliser. Même si... Oh, bien joué. Le burst qui a été baité là. Ça a été vu tout ça. Rathalos qui peut revenir à partout dans ce premier set de match. Et le pressing. Mais il s'en sort bien. Rathalos tranquille, il attend son tour pour frapper. Bon, ça de toute façon, c'est... je suppose que c'est quelque chose, si vous jouez à Blazblue, vous le savez, il faut vraiment faire attention au timing pour frapper vos adversaires, parce que les counters font très très mal. Il y a des blocs strings à respecter. Et vous devez savoir quand taper dans les trous. Allez, pour l'instant, on récupère un combo Bélial Edge. Bien joué, Dragon. Variation Wall Bounce. Qu'est-ce qu'il va mettre dans l'Okizeme? Ouais, bien joué. Là, le cross-up sur l'Okizeme qui était bien calmé. Et il réussit quand même à récupérer son adversaire Rathalos. Bien là, bien joué. Pour l'instant, il est en train de maltraiter Okizeme. Attention, qu'est-ce qu'il va mettre? Oh là là, le clash. Bien joué, le clash en midi. Mais ça avait été rapide quand scellé par Skill. Ah, c'est chaud là. C'est très très chaud. On est reparti dans ce bon vieux match-up des familles. Un match-up que je donnerais légèrement à l'avantage de Ragna. Mais y a rien de décisif hein, à ce niveau-là. On est reparti donc avec dommage le dragon qui est parti un petit peu loin. Bon allez, il met dans tous les sens là de Rathalos. Ça se cherche évidemment. Rathalos qui profite de son allonge avec son sabre. Alors vous voyez que voilà, on essaye de taper vraiment à intervalles réguliers pour pas se manger des counters de la mort. En tout cas, belle utilisation de la barrière de Rathalos, la déchoppe, bien joué sur une chope verte. Ça se regarde pas mal. Ah, il a chargé son coup Rathalos, mais ça ne passe pas. Oh, les décalages bas de Skill, c'est n'importe quoi. T'es forcé de te les prendre normalement là. Si t'as envie de taper, tu prends forcément un booster. Ah là, ça marche bien pour l'instant, ce petit pressing avec le combo corner de Skill. Et il va chercher Skill, il a pas peur, il avance rapidement en selle sur le botnet, overhead, ça ne marche pas, Dragon non plus. Le burst pour se sortir de cette situation de rush down où il était vraiment compressé comme un citron à Talos. Et cette fois-ci, c'est lui qui réussit à prendre l'avantage, bien joué. Et il réussit à mettre sur l'adversaire, malheureusement, lui qui était là. Et c'est en train vraiment de combiner de fond là, d'un côté comme de l'autre. Il y en a un qui réussit à placer, oh il a chopé, très bien joué, et victoire de Rathalos, de Skill pardon, sur ce round. Là ils sont en train de se renvoyer les combos à la figure. C'est une partie de ping-pong là qu'on est en train de regarder. La déchoppe verte, très bien fait.
6, c'est il passe pas. Ah, dommage, l'échoppe verte, bien joué. Là, il n'y a pas l'excuse du live, hein. Vous pouvez pas louper vos échoppes vertes. Allez, il emmène son adversaire jusqu'au corner, Ratalos, encore une échoppe verte, bien joué. C'est impossible de les choper, ces gars-là, c'est impossible. Ça passe très bien pour l'instant, ce petit combo. Wallbang, tu vas pouvoir toucher à son adversaire. Voilà, bien joué avec la chope. Ouais, voilà, instant Tigerny. Et là, il reprend l'avantage. Ratalos, oh, bien joué, oh, le décalage, chop. Ça, c'était bien vu également. Gauntlet Hades avec le follow-up derrière qui ramène en combo médial son adversaire dans le corner. On les traite très bien. Overhead qui marche pas. Rapid cancel sur le 6C. Oh là 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 là, le précipice qu'il est en train de mettre. C'est n'importe quoi. Voilà, bien joué, combo médial. Il peut récupérer évidemment avec Elsewhere suivi du follow-up. Attention, le 5B. Oh donc ils aimaient le contre en purée. Et ben voilà, tu veux bourrer ton adversaire, tu prends la Fury en counter. Et ça, ça fait très mal, évidemment, cette Fury, si t'as le malheur de taper pendant les frames actifs de la Fury, tu te prends la violence derrière. Allez, le drive qui est placé, le drive de la Kumen qui sont des contres. Oh là, le Gold Burst. Ça a été totalement bêté ça. Petit dragon avec variation kick pour ramener son adversaire au sol. Ouais, bien joué là par contre, il a bien trouvé l'ouverture. Ratalos, il va pouvoir se gueule à l'infini son adversaire. Il se retrouve dans le corner. Vous avez vu un peu la distance à laquelle il a ramené son adversaire dans le corner. C'est complètement fou. Elle a bien joué quand même. L'avantage qu'il a repris parce qu'il est en train de maltraiter son adversaire, même s'il n'a pas perdu énormément de vie. Oh là là, le coup de terre. Elle a dû percer là parce que ça aurait fait énormément de dégâts. Et on lance l'adversaire avec le 6C. Voilà, petit Dead Spike. Et bien l'aide. Grand dragon avec variation roulante. Qu'est-ce qu'il va mettre sur le 10 aimé? Ah, il préfère se protéger. Il avait peur, à mon avis, de la tuerie contre encore. Ça a été intelligent, à mon avis, l'entier qui est passé est un blocable. Il est en corner, mais il réussit quand même avec le pressing skill. Il est en corner, il n'y en a rien à secouer. C'est lui qui met le pressing avec un Mephrodor. Rapide cancellé, voilà, nage avant. Et ça permet à Skill de remporter ce match. À combien sommes-nous, messieurs, là, s'il vous plaît? 2-1. Très bien, ouais. Mémoire de poisson rouge, hein, des fois, évidemment. On est dans l'action. 2-1 pour Skill, donc. Bah, peut-être le dernier match pour Skill pour reset la braquette. S'il réussit à remporter ce match, on va être reparti dans un set ultime dans cette grande finale. En tout cas, c'est pas encore fait pour l'instant. Il reste encore un match à remporter. Ratalos, il est toujours là. Hein. Faut pas l'oublier. Et la première vague d'offense de Skill, voilà, qui essaie encore de décaler les deux à Asaka pour éventuellement choper un counter. Et Ratalos qui se laisse pas du tout avoir. Bon voilà, vous voyez également que je vous disais, les joueurs se connaissent très bien, donc les arnaques au counter, ça fonctionne pas très bien. Les arnaques aux champions vertes non plus, ça fonctionne pas très bien. On a deux mecs qui connaissent bien leur plan de jeu respectif. En tout cas, le counter s'est passé, mais ça a été tout de suite heurté. Sans doute parce que au niveau de la progression, ça a dû faire très très mal. Dragon avec une kick derrière au Kizene. Ça a été aidé en Okizeme, on n'a pas peur. Voilà, bien joué, slash pas tout ça. Oh, il peut re-juggle derrière ça, mon dieu. Je ne savais même pas. Faut dire qu'il n'y a pas énormément de joueurs d'Akumana quand même. Surtout en France, c'est une espèce un petit peu disparue. Ah là là, il est en train de faire tellement mal. Mais il fait tellement mal. Regardez un peu la barre d'énergie, mon dieu. Mon dieu, c'est la sanction qui est tombée là. Ratalos qui a pris conscience des enjeux là et qui a laissé absolument aucune chance à Skill. On a encore vu une déchoppe violette là qui a très très bien été faite. Oh là là là, là c'est parti par contre. Il va se manger la violence, la probabilité qui a l'air assez bonne quand même. 2300 sur un petit combo 11 hits, c'est moyen, on est dans la moyenne. Dragon, variation roll bounce. Et il va récupérer derrière, mais il a même pas peur, c'est pas grave, c'est possible que une kick. Oh là là, dommage, il prend un toi. Oh, de qui aimer. Et là, évidemment, ça fait mal à la barre d'énergie, 2008. Et il a plus grand chose là. Sur un combo, ça peut terminer pour Ratalos. Il essaye encore d'utiliser quelques Magatama pour se rapprocher avec des HP Ratalos, mais ça ne semble pas fonctionner.
de la manière la plus pertinente là. Allez voilà, le c'est ça, pour la bûche Belialège, on continue. Et le Carnage Teaser pour en terminer, comme ça on est sûr. Si vous ne savez pas, les furies, toutes les furies dans Blaze Blue ont des dommages minimum avant que vous rentriez la furie au 5ème hit ou au 25ème hit. Il y a toujours un dommage minimum qui est garanti. Au moins vous êtes sûr de ça. Alors que là on est reparti donc peut-être dans cette balle de reset pour Skill qui en tout cas est très très bien parti pour l'instant. Et il faut absolument faire un talon, ça passe quelque chose parce qu'il est encore parti en perfect et il a ses deux doigts parce qu'il est tranquille. Il rajoute dans le sel et il peut récupérer au 5 et le burst. Voilà. Alors là attention parce que Rathalos il peut se prendre un perfect, il a plus peur. Et là ça peut être terminé, à mon avis c'est terminé là, il a 50% pas. Et le Carnage Teaser, et ben voilà. On y est, reset. Deux braquettes, on est reparti pour un FT3. Skill qui s'est sorti des enfers de la loser bracket. Oh la vache, les mecs ils sont craqués, ils vont me faire péter ma voix dès le premier jour du Stunfest. On est reparti donc dans ce FT3 de l'enfer. Toujours dans ce match-up Akumen pour Rathalos. Et Skill avec son Ragna. Allez c'est reparti, premier match de ce deuxième set. Ouais, tout de suite l'ouverture. Skill et réussi à wall bounce son adversaire, Lelian Edge. On récupère évidemment avec Elsfang suivi du follow-up pour pouvoir mettre une tech gratuite là-dessus. Ah là attention voilà, il faut utiliser la barrière en l'air évidemment parce que sinon tu peux te prendre des airs imbloquables. C'est toujours moche de se prendre ça. Ouais bien joué là, attention ça peut faire très très mal ce combo. Il est déjà à 3006. Ouh là 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 là, la barre de Ragnac en train de complètement fondre là. Ça fait mal à 4003. On commence à 4000-4005 à tomber dans des dégâts qui font bien bien mal à la barre. Ouais, non, faut pas déconner. Et le 6B pour pouvoir récupérer son adversaire en juggle, variation wall bounce sur le dragon. Qu'est-ce qu'il va mettre? Ah, il essaie de faire tourner un petit peu la tête de son adversaire. Oh, le 6B, ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est terminé là. Il n'y a rien à faire. Alors, en plus, c'était impossible qu'il se loupe. Et Skill qui est bien parti, une nouvelle fois dans ce deuxième set. Bon, on va dire, c'est une grande finale maintenant, puisqu'il a plus de set. Hein. On est parti pour la gagne. En tout cas, oh, il a la dash, mais il dash avant, il en a absolument rien à secouer Skill. Il a même pas peur, hein. Le burst qui a été vu par contre, qui a fait la déchoppe aussi, ça c'est très bien joué. Et Rathalos qui a une bonne protection pour l'instant. Ah dommage, il se prend le 2B et ça va permettre d'ouvrir la garde sur un counter là, 1300 sur site. Et on est reparti encore une fois. Là faut absolument qu'il sorte du corner parce qu'il commence à prendre très très cher Rathalos là, il faut absolument pas de faire quelque chose, si je veux ouvrir. Oh, bien joué. Là par contre, l'instant dash qui permet de sortir et d'avoir un avantage positionnel qui est quand même catastrophique. Alors que là, le variation wall kick sur le dragon, bien joué, il peut pas s'en sortir. Et voilà la phase des Ragas qui est avec air dash, dragon rapide sur le en crossover. Ça, c'est le truc, tu peux pas avoir, c'est impossible à voir. Et Skill qui est en train de le faire passer avec le Carnage Teaser à très très mauvais moment. Ah Rathalos, là il est parti sur sa lancée, Skill, il est inarrêtable. Il est inarrêtable. C'est juste craqué. Qu'est-ce que tu veux faire contre un Ragna de cette puissance? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. En tout cas, ça fait 1-0 dans ce set. Pour Skill. Allez Rathalos là, montre-nous de quoi t'es capable là. C'est tout à fait possible de revenir. Action. Ah ça se regarde tout de suite, pourquoi pas, on n'a pas envie de prendre de risque. C'est une optique. Allez le babé qui trouve l'ouverture. Et là à force de reculer, bah, évidemment il se retrouve dans le corner. Et là ça sent très très mauvais, hein. Un coup même dans le corner c'est pas non plus un foudre de guerre pour ce qui est de la défense. Surtout contre un Ragnac qui a des facilités pour te bourrer les coups avec des hitbox bien sales. Ah il rajoute quand même son dragon, ah non bah il s'attendait pas à la retomber avec le saucé. Ça cherche l'ouverture, ça ne la trouve pas. On est en train de se regarder tranquille, petit décalage encore de 2A là. Ah, il aime bien ça ce qu'il a. Ça c'est les phases du plaisir. C'est petit décalage pour éventuellement choper un counter.
Et une nouvelle fois, Artao qui se retrouve dans le corner. Et par contre, l'overhead, il est passé là. Et là, ça peut faire. Ah, par contre, il loupe le 6B. Ratalos qui passe sa vie dans le corner pour l'instant, ça va être compliqué là. On voit pas vraiment comment il va pouvoir trouver des solutions. Mais bon, Rata il a quasiment plus de barrière. C'est peut-être une optique. Les deux ils ont claqué des bursts, donc ils ont plus que deux guard primer. Autant dire que ça peut partir très très violemment là. Et Ratalos qui bon, est en train d'enchaîner son adversaire. Ouais, dragon direct, on a pas peur. Ouh là là, attention, Dagger Knee qui n'a pas été puni. Ouais, il a encore essayé de faire son dragon rapide cancellé, la skill. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Une nouvelle fois, dragon rapide cancellé. Eh, c'est chaud là. Ah, elle est chopée. Elle est passée. Ah, Siski se débrouille bien. Il peut choper 50%. Voilà, il a chopé à 50% avec Carnage Scissor. C'est terminé normalement. Voilà, et Carnage Scissor, comme je vous l'avais annoncé. Et 1-0 pour Skill à 4 secondes de la fin. Là, il passe un sale quart d'heure quand même, Ratalos. Il va falloir trouver les solutions, c'est compliqué quand même pour lui, j'ai l'impression. Ah, il se retrouve encore dans le corner. Mais cette fois-ci, c'est à droite, et il se prend un booster sur le donné. Il se prend le Death Spine. Hop là, Mega Ledge pour continuer avec le 6B. Ouais, bien joué, c'est très bien fait. Bon, il fait le combo. On va dire c'est le BFB classique dans le corner de Raka. Mais ça n'empêche pas que ça enlève énormément. Et Ratalos, voilà, regardez un peu les dégâts. Mais les dégâts qu'il est en train de mettre là, il est rendu à 4500. Voilà. Là, ça remet un peu les pendus à l'heure. Rapide cancel sur le dragon, il peut repêcher son adversaire. Et il change de côté pour se remettre du côté du corner. Franchement, c'est chaud. C'est très très chaud là sur ce round. C'est très serré, rapide cancel sur le Hellfang. Ouais, Hellfang, bien joué avec un petit décalage. Pourquoi pas. Là, ça a été trop counter. Et là, la récupération. Là, il a pas 50% de barre. Il pouvait pas lancer le Carnage Scissor. Bon, cette fois-ci, il les a. Ratalos qui a tous ses baguettes là-bas. Il en a utilisé. Oh là 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 là, dommage. Dommage. Et on en arrive donc au dos. Potentiellement au dernier match là pour Skill. Allez, encouragez Ratalos là, il faut pas qu'il abandonne Ratalos. Il faut pas abandonner Ratalos. Ratalos qui s'est mangé beat by 5 là hein, pour l'instant. C'est pas possible, tu peux pas nous faire ça Ratalos là. Il faut absolument contrer les plans de ce Ragna démoniaque. Dernier match donc pour Skill, ou peut-être le sauvetage pour Ratalos. Alors messieurs, si on peut tips, peux-tu nous remettre le match? Non, pas tous. Voilà, on a le match. C'est le live, ça arrive. On le burst en l'air. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Attention, vous aimez. Là, c'est en train de... C'est en train d'être très très chaud pour Ratalos. Bon voilà, ce genre de burst en l'air, ça prouve un peu la déconcentration. Et il va se prendre un perfect. Là. Là c'est dur, c'est très très dur. Allez, un peu d'encouragement pour Ratalos, c'est le dernier round de match pour Skill. Il faut absolument pas qu'il lâche l'affaire Ratalos, il a les moyens de revenir. Il a tout à fait les moyens avec son perso. Overhead, ça passe pas. Attention, le bon tête non plus. Bien joué, c'est facile. Il réussit à récupérer l'avantage. Et voilà, il va réussir à revenir. Ragnar jusqu'au corner. Oh la vache, il est parti du 3 quarts. Okizele, attention. Mais non, ça va être un Okimi en l'air. Et pour l'instant, là c'est bien, Ratalos qui a repris du poil de la bête. Il se fait reprendre un peu. Là, bon, voilà, 1200. On a encore 3000 burst sur le rapide cancel de Skill. Et le dragon, voilà, on va mettre un Okizeme. Attention, voilà, chop pour Okizeme. Cette fois-ci, elle est passée, Dead Spike. Et aussi, hop là, Bloodgame. Oh là là, ça va faire mal le Bloodgame. Donc, il y a un peu surpuissant, hein, donc, là, globalement. Et regardez un peu les dégâts qu'il est en train de prendre. Mon dieu, ça peut terminer là. Bon, il n'y a pas encore 50% de barre. Ça peut se virer. Oh là là là, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Arrêtez-le, attention là. Ça peut être la fin. Ah, il a tenté un drive pour surprendre son adversaire, malheureusement ça peut être qu'à le cross-up. Oh là, ce cross-up il est tellement ambigu. Il a quasiment plus d'énergie, Ratalos. Allez, Ratalos, sors en nous. Ta batte magique là, je ne sais pas. Fais-nous quelque chose là. Reviens des contrées de la mort. Ouais, décalage encore sur les deux A. Ça passe pas. Vos idées. Hey, il veut pas abandonner Ratalos. Oh là là, ça c'est pas contre par contre. C'était très chaud. Le overhead, ça passe pas. Non, dommage. Et ben voilà, c'est sur
C'est sur ce 2B qu'on va en terminer. Voilà, bon, je vous demande quand même d'applaudir les deux derniers participants de la finale. Rathalos qui a vraiment bien joué, Skill. Très bien joué, Rathalos également, très très bien joué. Donc Skill qui termine premier pour la deuxième année consécutive. Hein. Voilà, il va falloir le déloger, mais pour l'instant, il n'y a personne qui a l'air capable de le faire, en tout cas sur le Stunfest. Rathalos, bien joué également. Bien joué, bien joué. C'était des beaux matchs que tu nous as proposés, même si ça a été très compliqué. On a les lots. Écoute, je t'en prie. Skill, voici tes lots avec ta jolie coupe. On a une...